messieurs, bienvenue à Sport 30 édition Revue 2004. Il s'en est passé bien des choses au cours des 12 derniers mois. Tellement que nous n'avons pas la prétention de vous dire qu'on va faire un résumé complet de tout ce qui s'est déroulé, ce serait impossible. On va plutôt s'attarder aux équipes que l'on aime, le Canadien de Montréal, l'Impact, les Alouettes, mais également les Expos. Et surtout, aux événements qui nous ont touchés, qui nous ont marqués. Par exemple, les Olympiques à Athènes. Alors, au retour de la pause, Alain Chantelois se joint à moi et nous amorçons notre survol de l'année 2004. Le Boxing Day de Bruy Martineau, c'est maintenant. Nous payons pour vous la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménagers et électroniques. Plus, ne payez aucun intérêt jusqu'en janvier 2008 avec 36 versements. Le Boxing Day de Bruy Martineau, ne le manquez pas. Parce que les angles parfaits doivent être... parfaits. Black & Decker a créé Crossfire. Mise à niveau automatique et précision des lignes horizontales et verticales. Vous l'aurez du premier coup. Crossfire, de Black & Decker. Parce que l'invention de la troisième main tarde à venir, Black & Decker a créé Autotape, le seul ruban à mesurer électrique. Utilisez-le d'une seule main. Autotape, de Black & Decker. Le Boxing Day de Bruy Martineau, c'est maintenant. Nous payons pour vous la TPS et la TVQ sur les meubles, matelas, décorations, électroménagers et électroniques. Plus, ne payez aucun intérêt jusqu'en janvier 2008 avec 36 versements. Le Boxing Day de Bruy Martineau, ne le manquez pas. The NHL Board of Governors unanimously reconfirmed that NHL teams will not play at the expiration of the CBA. Reach for the shot, he scores! NHL teams will not play, will not play, will not play. Robidoux. NHL teams will not play. Le bataille est difficile. C'est sûr, comme tout le monde, on veut que ça se règle, on veut jouer au hockey. Pas une bataille facile qu'on livre. Mais comme c'est là, ça l'avance pas beaucoup. Will not play. Will not play. L'année 2004 aura été marquée par le lockout dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas de patinoire au Centre Bell au moment où l'on vous parle, c'est parce que les joueurs n'en ont pas besoin, personne n'a besoin de patiner, et on en a entendu parler énormément en 2004 de ce lockout, Alain, la guerre entre l'association des joueurs et les propriétaires. Et ce qu'il y avait au centre, au cœur du débat, c'était le fameux plafond salarial. Oui, mais c'est facile à expliquer. Écoute bien, il y a des propriétaires qui ont garoché leur argent par les fenêtres. Contrat de 9 millions annuellement à Barbéolic, là. Exagéré. Ça prend pas la tête à Papineau, hein, pour prendre des décisions dans ça. Alors, Gary Bettman, lui, a décidé que les propriétaires, il y en avait qui manquaient de jugement. Mm-hmm. Alors, on a décidé d'imposer un plafond salarial. On a... Écoute, l'Association des joueurs ne veut rien savoir d'un plafond salarial. Mais je pense qu'on va en venir à une entente à un moment donné. Quand? Je ne sais pas. Peut-être pas en 2004, peut-être en 2005. On a bien aimé le 24 % réduction salariale de 24 % Mais à ce moment-là, on pensait que ça allait se régler rapidement. Ça ne pouvait pas se régler. Que, écoute, parce que c'était temporaire. Oui, mais c'était une solution temporaire. Et là, vraiment, la Ligue nationale recherche une solution permanente. Mais au moins pour plusieurs années. Et ça survient, Alain, également dans un bien mauvais moment, parce que le hockey, en termes de popularité, est en chute libre aux États-Unis. Bien, écoute, aux États-Unis, oui. Au Canada, non. Hmm. Ça, c'est sûr. Mais, par contre, Gary Bettman a tenté d'impliquer différentes villes
pour avoir un bon contrat de télévision, mais on n'a pas de contrat de télévision. Mais regarde au baseball. Au baseball, ça a pris 10 ans. Et le sport est en santé aux États-Unis. OK, il a fallu compter sur les stéroïdes et les records de Barry Bonds et de Mark McGwire pour ramener le monde. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant aux États-Unis pour ramener le monde? Puis je suis de bonne question, ça, mon frère. J'ai toujours aimé ça, emballer des cadeaux. Je trouve que ça fait tant des fêtes. J'aime ça les déballer aussi. Je vous souhaite un très, très, très joyeux temps des fêtes. À vous qui êtes toute votre famille. Cette année, emballez-vous pour une Honda. Vous avez une boîte, s'il vous plaît? Avec 3,9% de financement sur toutes les Accord et 1 500 $ d'accessoires Honda en prime. Faites vite, on remballe tout ça le 3 janvier. Faites de l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450 $ au plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Par la fin, cette fameuse série contre les Bruins, Alain, alors qu'ils tiraient de l'arrière 1-3 pour finalement l'emporter. Mais les plus vieux partisans, c'est facile de constater que le Canadien a toujours été la bête noire des Bruins de Boston. Et on en a eu une autre preuve au printemps dernier. Les Bruins, avec un Joe Thornton, l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale, il menait 3-1 et puis le Canadien s'en retournait au Fleet Center. Oubliez ça, José Théodore, Kovalev, qui a connu d'excellentes séries, Saku Koivu. On a eu droit également dans cette série-là, évidemment,
un numéro de la WWF, Mike Ribeiro, qui sautait sur la patinoire. Ben oui, mais quand même, le Canadien qui est parvenu à vaincre les Bruins de Boston, à la surprise de tout le monde, soit dit en passant. Ensuite, très rapidement, parce qu'on en parlera un peu plus tard, celle du Lightning de Tampa Bay, le Canadien affrontait le Lightning. Ça a été plus difficile. Bien, plus difficile. 4-0. OK? Moi, ce que l'on peut se dire, par contre, c'est que le Canadien a été battu par l'équipe qui a remporté la Coupe Stanley. Une équipe talentueuse, une équipe rapide, une équipe avec une certaine robustesse et avec un gardien de but qui a fait des arrêts clés. En saison régulière, maintenant, il y a des performances à souligner du côté des joueurs. J'aimerais qu'on commence à parler tout d'abord de Sheldon Surrey, qui s'est avéré en début de saison une surprise. Ben, écoute, une grosse première moitié de saison, des matchs époustouflants contre Nashville, 6 points, je pense, contre les Pingouins à Pittsburgh. Sauf que, chassé le naturel, il revient au galop. Alors, une deuxième moitié de saison ordinaire, mais Sheldon Surrey est avant tout un défenseur à caractère défensif. Alors, une première moitié de saison extraordinaire. Puis le reste, bien, c'était du Sheldon Surrey normal. Révélation également, Michael Ryder, presque la recrue de l'année. Oui, mais presque la recrue de l'année, battu par Raycroft, gardien des Bruins de Boston. Et je pense que quand on parle d'un gars qui est un marqueur naturel, je pense à Michael Ryder. Et soulignons également le travail de Steve Bégin. Un véritable guerrier. Les gens loin. Qui mange les bandes, il s'en souvient, lui.
parlé il y a quelques minutes, le Lightning de Tampa Bay a défait le Canadien de Montréal facilement en 4 matchs. Ça s'est poursuivi ensuite. Ce sont ce que vous venez de voir sur les images pour le Lightning, qui s'est rendu jusqu'à la finale de la Coupe Stanley et a gagné le trophée. Oui, contre les Flames de Calgary. Mais je pense pas que la Ligue nationale voulait que la finale de la Coupe Stanley implique deux équipes de petits marchés. Il y a eu des cotes d'écoute aussi décevantes. Ça, c'est sûr. On aurait aimé que les Flyers de Philadelphie soient là. Les Rangers également. De New York aussi. Mais par contre, dans le cas du Lightning, Martin Saint-Louis, champion marqueur de la Ligue nationale à 5 pieds 7 maximum. Vincent Lecavalier, qui est devenu l'un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Et il a eu mal à partir avec son entraîneur-chef, John Tortorella, durant la saison. Mais Tortorella, lui, savait des choses. Il savait que Vincent Lecavalier était capable d'en donner plus. Et Vincent, regarde dans le dernier tournoi qui a eu lieu contre les équipes européennes et contre les Américains, qui a choisi de jouer par excellence. Mais le joueur, cependant, qui a fait écarquiller également bien les yeux, c'est Brad Richards en séries éliminatoires pour le Lightning. C'est parce que c'était un petit peu le Steve Shott du Canadien de Montréal dans les années 70. Il réussissait toujours à marquer le gros but en supériorité numérique. Alors, oui, il a connu des séries éliminatoires et aussi plates. Et soulignons également que Andrew Chuck a réussi finalement à mettre la main sur la Coupe Stanley, âgé de près d'une quarantaine d'années. Il y a des choses qui sont importantes, par exemple, de noter, Frédéric, c'est que les Sénateurs d'Ottawa, tout le monde voyait les Sénateurs au moins en grande finale de la Coupe Stanley. Et ils ont rencontré leur bête noire, les Leafs de Toronto, Eddie Belfour, Crazy Eddie, qui a été époustouflant alors que Patrick Lalime, dans le dernier match, a été très ordinaire. Alors, Lalime est maintenant rendu à Saint-Louis. Et puis, Jacques Martin, ça a coûté son job pour l'amour du Saint-Ciel. A quitté pour les Panthers de Floride. Et on doit également parler de ce qui s'est passé sur la patinoire. Ça, c'est un côté un peu plus sombre de la Ligue nationale de hockey. L'affaire Todd Bertuzzi. Ben oui. Il a attaqué Steve Moore de l'Avalanche du Colorado. Et ça s'est retrouvé, évidemment, il a été suspendu. Oui. Et également devant les tribunaux. Mais, et puis, s'il y avait eu une saison, est-ce qu'on parlerait encore de Todd Bertuzzi cette année? Peut-être pas. Peut-être qu'il commencera à jouer après la période des fêtes. Ouais, mais c'est un geste vraiment sauvage. Il n'y avait aucune raison de faire ça. Chose certaine, ça a fait jaser beaucoup et s'entraîner de nombreuses discussions. On pourrait en jaser jusqu'à demain. Oui, ce que l'on ne fera pas. Okay. Faites de l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450 $ ou plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sports sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sports, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation.
l'espace de commentaires, on vient de le voir dans le montage, il y en a eu de grands joueurs dans l'histoire des Expos de Montréal. On aurait pu faire plusieurs équipes d'étoiles avec ces joueurs. Oui, ça a commencé en 1969, mais en fait, ça a débuté en 1968 avec le maire de Montréal, Jean Drapeau, avec Charles Brotman, le propriétaire de l'équipe, de même que son bras droit, qui est également M. Jerry Snyder. Mais au niveau des joueurs, tu te souviendras de Jonesville, Mike Jones, le voltigeur de gauche. Il y a eu Coco Laboy, qui était joueur au troisième but. Écoute, le premier circuit de l'équipe, c'était Dan McGinn, qui était un lanceur gaucher. Il y en a eu plusieurs. Écoute, sans oublier, parmi les releveurs, il y a eu Woody Fryman, il y a eu John Wetlin, Jeff Reardon. Il y en a eu, écoute, une panoplie. Et également, on se souviendra des prouesses, mais des prouesses de Rusty Starr, par exemple, des prouesses de Vladimir Guerrero, qui malheureusement n'était pas là lors de la dernière saison de l'équipe ici au Stade Olympique. Gary Carter, Tim Raines, André Dawson, en voulez-vous, on pourrait vous en nommer jusqu'à demain. Et c'est dommage que l'équipe soit déménagée à Washington. C'est dommage également que cette dernière saison au Stade olympique en 2004, plusieurs de ces gros noms étaient absents. On a eu droit un peu, vers la toute fin du mois, à une équipe presque de calibre 3A. On voyait que de plus en plus, on tentait de se débarrasser de nos bons joueurs. Oui, mais je me place dans la peau d'Omar Minaya lorsqu'il a été appelé ici à devenir directeur général de l'équipe. Il voulait amener une équipe gagnante sur le terrain. C'est débarrassé de quelques bons jeunes joueurs, qui pour amener quelques joueurs de qualité. Sauf que ça n'a pas rapporté les résultats escomptés. Ça, il faut être bien franc et bien honnête. Mais il y a une chose, par exemple, lors du dernier match de la saison ici, c'était une équipe de 3A sur le terrain. Et je pense que ça a laissé un goût amer, un goût très amer aux partisans. Mais écoute, je vais te conter quelque chose. Moi, je suis le baseball depuis l'arrivée des Expos, peut-être même avant. Et puis, j'étais à l'emploi des Expos depuis 1992 jusqu'à 2001. En 1994, il y a eu l'année de la grève. Si Claude Brochu et son fameux consortium décident de garder les joueurs pour la saison 95, parce qu'en 94, on avait la meilleure équipe du baseball, et je pense qu'on aurait eu une saison fantastique, qu'on aurait pu accéder à la Série mondiale. Mais non, c'est une économie de bout de chandelle. Ça, c'était la première vente de feu. Et dès lors, bien, les carottes étaient cuites pour plusieurs partisans, parce que les partisans continuaient d'écouter les matchs à la radio et à la télévision, sauf qu'ils ne venaient plus ici. As-tu l'impression que si le baseball majeur avait mis autant d'efforts et d'argent à déménager les Expos de Montréal vers Washington, s'ils avaient mis autant d'argent pour essayer de les garder ici, à Montréal, ça aurait pu fonctionner? Bien, moi, je vais te poser une question, je la pose aux amateurs. Est-ce que le baseball majeur voulait garder les Expos à Montréal? Ma réponse est N-O-N, non, chef. Beaucoup d'émotions, Alain, te retrouver ici, hein? C'est un territoire connu. Oui. Une belle histoire, les Expos de Montréal. De l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450 $ au plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge célèbre en grand. Profitez d'allocations du manufacturier au concessionnaire allant jusqu'à 7 000 $ sur les véhicules 2004 et 2005 sélectionnés. Célébrez en grand. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge.
parler de ce qui s'est passé sur le terrain en 2004 dans le baseball majeur. On a cru bon se déplacer pour une dernière fois, Alain, dans le vestiaire des Expos de Montréal. Oui, on remercie d'ailleurs la direction des Expos de nous avoir permis, justement, de venir un petit peu récapituler ce qui s'est passé au cours de la dernière saison dans le baseball majeur. Et sais-tu, c'était l'ancien casier de Pedro Martinez. Juste derrière nous. Pedro qui finalement a aidé les Red Sox de Boston à gagner la Série mondiale. Hey, qui l'eût cru, hein? Il n'avait pas gagné depuis 1918. Cette équipe-là affronte les Yankees de New York. Ça, là, les gens qui pensent que la rivalité canadienne-nordique, c'est big, oubliez ça, c'est de la petite bière. Les Red Sox perdent les trois premiers matchs de la série. Finalement, Curt Schilling revient, blessé au tendon d'Achille, lance un match, un excellent match, et par la suite, tout le monde a mis l'épaule à la roue, avec le résultat que l'équipe de Terry Francona a éliminé en sept matchs les Yankees de New York. Ça, c'est quatre victoires consécutives. Et par la suite, on pensait que les Cards de Saint-Louis, qui avaient remporté le plus de victoires dans le baseball majeur cette saison, ne feraient qu'une bouchée des Red Sox, pensant que ceux-ci étaient au bout de leur rouleau. Mais, hey, quatre matchs consécutifs, deux à Boston, deux au Fenway Park, deux au Busch Stadium. That's it, that's all, les carottes étaient cuites. La malédiction du Bambino, c'est terminé. Oui. Un des plus beaux retours, tout sport confondu, dans le sport professionnel. On parle maintenant des exploits individuels. Ishiro Suzuki avec les Mariners de Seattle. 262 coups sûrs. Écoute, c'est pas un frappeur de circuit, mais des seins, des doutes, des tripes. Alors, c'est un Japonais. Ça, les Américains ne l'ont pas pris. Hein? Les Américains l'ont pas pris. C'est un Japonais qui établit une nouvelle marque au chapitre des coups sûrs. Et également, il ne faut pas oublier le match parfait de Randy Johnson. C'est vrai. Tu sais, avec les Expos, on a connu Dennis Martinez. Mais Randy Johnson... Surtout à l'âge qu'il a. C'est un lanceur vieillissant qui réussisse l'exploit. On l'a connu ici. Oui, rapidement. On l'a connu ici dans la fameuse transaction pour Mark Langston. Ouais. Et un mot en terminant sur Barry Bonds. À 40 ans, frappe encore autant de circuits. Oui, on ne peut pas y enlever son œil au bâton. Hein? Peut-être le gars qui a le meilleur œil de l'histoire du baseball. Mais par contre, on ne peut pas y enlever les stéroïdes. Alors, ce que j'ai dit un peu plus tôt, je pense au début du mois de décembre à RDS, le laboratoire Balco fait faire banco à ses clients. Et c'est dommage parce que ça ternit justement les exploits de Bonds. Et c'est peut-être un des défis du baseball majeur pour les années à venir, le dopage au baseball. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Solde d'après Noël Future Shop. Pour des télé ACL à partir de 399,99, des ordinateurs à partir de 299,99 et des lecteurs MP3 à partir de 39,99. Il vaut mieux arriver tôt pour en profiter. L'hiver s'en vient, la neige, les tempêtes. Et l'ensemble édition Hiver Plus, un ensemble unique offert pour la Ford Focus ZX5 incluant l'antipatinage à toutes les vitesses, les freins anti-blocage aux quatre roues, les rétroviseurs chauffants à réglage électrique et les sièges avant chauffants. Offerte location 36 mois à seulement $229 par mois. La Ford Focus ZX5 édition Hiver Plus, la plus grande joie de l'hiver. On pense à maîtriser l'hiver pour que vous pensiez à Ford. Ford, bien pensé. Difficile à prendre une nouvelle piste, découvrir les limites de la voiture, là, ça a été un peu difficile. J'ai fait 45 tours aujourd'hui, le Grand Prix c'est 56 tours, donc il n'y aura pas de problème.
Le premier 39.9 que j'ai mis, là, j'ai du mal à l'utiliser. Et le deuxième, par contre, on a bien monté en température. Ça a l'air de marcher. Quand on a fait 8 tours d'affilée, ça a l'air de marcher pas mal aussi. Et là, on a finalement aujourd'hui, je pense qu'on peut commencer à vraiment travailler sur les réglages. Donc ça devrait aller. Ça va vite quand même. Il y a des virages impressionnants ici. Et bah, tant mieux. En général, tous les nouveaux circuits sont un peu lents. Celui-ci est impressionnant. Je ne suis pas en train d'essayer de démontrer que je suis capable de faire quelque chose de bien. Ça, je l'ai fait dans le passé. Le futur est assuré. Je suis ici pour aider Renault à récupérer la deuxième place. Ça ne va pas être facile et donc il faut bien travailler. En tout cas, Alain, tant que les voitures de Formule 1 n'auront pas de pneus d'hiver, c'est certain qu'il n'y aura pas de Grand Prix sur le circuit Gilles Villeneuve. Aujourd'hui aussi, ce ne sera pas une belle température pour ça. Et même, Frédéric, au cours des prochaines semaines et des prochains mois. On n'annonce pas chaud. Écoute, la saison 2004 en Formule 1, heureusement, il y a eu le retour à la toute fin de Jacques Villeneuve à la compétition. Une chance. Oui. Pour l'amour du Saint-Ciel, une chance. Parce qu'avec la domination quasi totale de Ferrari et de leur pilote numéro 1, Michael Schumacher, bien, l'intérêt des amateurs avait nettement diminué, surtout ici au Québec. Mais l'arrivée de Jacques Villeneuve au volant de la voiture Renault, l'une des deux voitures Renault, remarque que ça n'a pas rapporté les résultats escomptés. Parce qu'on visait la deuxième place, on voulait aller chercher la deuxième place à BAR, mais ça n'a pas marché. On l'a sorti de la retraite, mais c'est pas facile de revenir après plusieurs mois d'absence, et on s'en est rendu compte. Jacques Abou est un pilote expérimenté avec énormément de potentiel, sauf que Renault a terminé quand même troisième, étant devancé évidemment par Ferrari et par BAR. BAR qui a connu une saison tout simplement phénoménale avec Jason Button. Alain, je veux qu'on parle aussi un petit peu de Patrick Carpentier. Lui ne se sentait plus désiré en série Champ Car, alors l'année prochaine, s'en va en IRL. Il a tellement fait preuve, Patrick, de professionnalisme dans tout ça. Écoutez une seconde, là. Il était rejeté par les dirigeants de Players. Il a quand même devancé Paul Tracy, qui était champion en titre, au chapitre des points. Oui, à la toute dernière course de la saison. Et je lui souhaite la meilleure des chances en IRL. Quel charmant pilote. Et un qu'on va surveiller également, c'est Andrew Ranger. Ça, c'est la relève. Point final. Faites de l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450 $ au plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. Si la vie était comme ça, il n'y aurait pas le concours Gagner vos achats Visa. Utilisez votre carte Visa pour courir la chance de gagner vos achats Visa du mois. Il y a un gagnant tous les jours de l'année. De Jean de La Fontaine qui dit « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Et c'est un peu une fable qui pourrait s'appliquer à la saison des Alouettes de Montréal en 2000.
parce qu'ils ont connu un bon début de saison. Alain, ça a bien été par la suite également. Sauf qu'à la toute fin, le résultat final, n'ont pas gagné. Bien, Frédéric, écoute bien, j'étais venu ici assister à les Alouettes et je faisais un vox pop avec les amateurs. Et puis, on se posait la question, est-ce que les Alouettes sont capables d'avoir une saison parfaite? La dernière équipe dans l'histoire de la Ligue canadienne de football, c'était les Eskimos d'Edmonton. Dans la Ligue nationale de football, les Dolphins de Miami, ouais, à l'époque de Don Shula. Et voilà que tout bang dans l'huile, sauf que ça s'est terminé véritablement en queue de poisson, même si la saison régulière a été quasi impeccable avec 14 victoires et 4 défaites. Alain, quelle est la philosophie exactement de l'entraîneur Don Matthews? On a l'impression parfois que les statistiques individuelles de certains de ses joueurs semblent plus importantes pour lui que le résultat final de l'équipe, les performances de l'équipe. Mais je vois où tu veux en venir, mon cher Frédéric, parce que n'eût été de la blessure d'Anthony Calvillo dans la finale de l'Est, on ne serait même pas posé la question. Sauf que les 4 receveurs de passe qui ont récolté plus de 1000 verges, sans oublier Calvillo et ses 6044 verges, bien tout ça s'est tombé à l'eau dans la finale de l'Est lorsque Calvillo a été blessé. On l'a remplacé par Ted White et Ted White s'est présenté là. Mais il n'y avait pas d'affaire là. Les carottes étaient cuites à ce moment-là parce que ça s'entraînait très peu sur une base régulière avec l'équipe. C'était Calvillo qui prenait le plancher. Et là, bien, à ce moment-là, bien, ça n'était fait des Alouettes. Et belle victoire des Argonauts de Toronto. On va en parler des Argonauts dans quelques instants, mais un mot avant encore sur les Alouettes, sur la performance des joueurs québécois cette saison chez les Alouettes de Montréal. Il y en a eu des bonnes performances. Oui. D'abord, Sylvain Girard, en fait, c'est dénigreur, parce que si Sylvain Girard n'avait pas été blessé, peut-être que les Alouettes auraient eu 5 receveurs de passe depuis 2020. Et Éric Lapointe, qui a décidé ce truc comme porteur de ballon numéro 1 de l'équipe, celui qui s'amusait à faire du boudin, Andre Danson. Bon, les Argonauts de Toronto, une équipe en faillite en 2003, et voilà qu'ils s'en vont gagner la Coupe Grey. Ça, il y a bien peu de gens qui auraient parié là-dessus en début de saison. Avec une défensive quasi impeccable, avec un vétéran canadien qui s'était fracturé justement une jambe ici au stade Percival Molson, Damon Allen, qui a marqué 2 touchés lors de la finale pour l'obtention de la Coupe Grey contre les Lions de la Colombie-Britannique, et Pinball Clemens, qui sait s'entourer de très bons adjoints, mais qui avant tout est un motivateur. Il y a également Mike Pringle à Edmonton. Lui, il faut en parler absolument parce qu'il a établi un record qui risque de ne pas être battu avant un bon bout de temps. Son égo est très gros, mais il a dirigé George Reed, ancien porteur de ballon étoile des Roughriders de la Saskatchewan, des Roughriders de l'Isina. Alors, bravo à Mike Pringle, mais avec les Alouettes, il n'avait plus sa place dans le système de l'équipe. Et un truc qui fait confiance à Mike Pringle, c'est Danny Machiocia. Et lui, ça va bien, ces choses pour lui aussi. Bien, bravo, bravo. Moi, j'avais été à la place des Stampeders de Calgary l'année dernière. Au lieu d'embaucher Matt Dunnigan, j'aurais embauché Danny Machiocia. Et là, bravo et félicitations à Danny qui vient d'obtenir la poste d'entraîneur-chef des Eskimos d'Edmonton. Alors, 2005, ce qu'on souhaite aussi de Montréal, ben, cette fois, c'est d'aller jusqu'au bout et de la gagner, cette fameuse Coupe Grey. 13 victoires, 5 défaites, c'est correct, mais la Coupe Grey, de retour à Montréal, on l'espère. Faites de l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450$ ou plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire, notre savoir-faire. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sport sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sport, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec solde de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Thank you.
2004, une seule formation professionnelle a remporté le championnat de sa ligue, et c'est l'Impact de Montréal, Alain. Oui, bravo à l'Impact, mais une chance que tu as mentionné formation professionnelle, parce que je connais ton amour pour le Rouge et Or de l'Université Laval qui a remporté la Coupe Vanier. Oui, bravo à eux, mais ce n'est pas une équipe professionnelle. Et l'Impact de Montréal peut dire un gros merci à tous les amateurs qui sont déplacés à chaque match pour venir les encourager. Plus de 9000 spectateurs en saison régulière et plus de 11000 durant les séries éliminatoires. Ils ont conservé une fiche de 17 victoires, 6 défaites et 5 matchs nuls. Et dans les séries, ils ont battu les Raging Rhinos de Rochester en demi-finale. Ça, c'était leur bête noire pour finalement remporter la Coupe contre les Sounders de Seattle. Et évidemment, on ne gagne pas des championnats avec des joueurs moyens. Il y a d'excellents joueurs chez l'Impact de Montréal et ça commence avec un bon gardien de but. Greg, nouvelle marque de la A-League avec 16 jeux blancs. Et que dire de Gabriel Gervais, ce jeune francophone qui a été choisi le défenseur par excellence de la A-League cette année. Et tout ça sous les ordres d'un nouvel entraîneur, mais un gars d'expérience. Un gars d'expérience, Nick DeSantis, sa première saison comme entraîneur-chef, le message passait. Parce que la première, il n'était pas entraîneur-chef, il était entraîneur adjoint et joueur en même temps sous la férule de Bob Lilly. Alors, effectivement, l'Impact aura un heureux problème en 2005, c'est de trouver encore plus d'espace pour accueillir tous les gens qui voudront venir voir des matchs. Il faut qu'il reste ici. Mm-hmm. Parce que quand tu gagnes, il y a du monde. Mais tu ne sais jamais ce que réserve l'avenir. Chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec paiement pendant 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de $450 au plus portés à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement qui vous en donne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volontaire, notre savoir-faire. La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets et de nos vestons sports sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés et habillés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sports, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre les prix Moores, c'est avec les soldes de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Branché sur le sport. Du contenu, de la matière, du rythme. Enfin des nouvelles du sport qui ont de la gueule. Un nouveau joueur se démarque. RIS. Premier à le savoir. Jamais très attendu. Alors, comme l'a dit le capitaine Bonhomme, les sceptiques ont été confondus.
sauf que, comme nous, ils vont payer pendant longtemps. Ça, c'est certain. Sur les tremplins qui sont juste situés derrière nous, Alain, il y a bien des plongeurs de l'équipe canadienne qui s'entraînent, notamment Alexandre Despaty et Émilie Mans également. Les espoirs étaient très, très, très élevés pour les Jeux Olympiques. Beaucoup de pression, énormément de pression, parce qu'ils étaient les champions en titre. Ils ont remporté chacun une médaille. En ce qui concerne Émilie Emmans, c'était à la tour en plongeon synchronisé et Alexandre Despaty, la coqueluche des jeunes dames de Montréal et du Québec. Et lui, c'était évidemment aux 3 mètres. Quels sont les autres athlètes qui t'ont impressionné? Les autres athlètes québécois? Il y en a plusieurs qui ont terminé 4e, 5e. Mais parmi les athlètes de pointe, Marie-Hélène Frémont. C'était en vélo de montagne. Elle a terminé 2e. Et que dire également de Caroline Brunet pour le 3e Jeux olympiques consécutifs. Elle remporte une médaille à canoë-kayak. Et puis en volleyball ici, il y a le duo Dumont qui ont fait écarquiller bien des yeux volleyball de plage. Bien des yeux. Maintenant que tu conserves, que tu gardes de ces Jeux olympiques? Oui, la chute de Pierre Stapilicien qui était championne mondiale au centre. C'est difficile de passer à côté. Et selon toi, qui est l'athlète excellence des Jeux olympiques? Alors, sans aucun doute, le jeune Michael Phelps qui a reçu 8 médailles, dont 6 d'or. Et moi, j'étais aux Jeux olympiques de Montréal en 76 quand je suis Il est passé bien près d'ailleurs de battre le record de ski. Et Alain, je t'ai bien demandé ton athlète par excellence aux Jeux olympiques, parce que si je t'avais demandé aux Jeux olympiques ou paralympiques, qui aurait été ton athlète par excellence? Sans aucun doute, Chantal Petitclerc, Mademoiselle Sourire. Écoute, elle a remporté une médaille d'or aux Jeux olympiques de démonstration et aux Jeux paralympiques, 5 médailles d'or. Et quand je pense que la Fédération canadienne d'athlétisme veut qu'elle passe l'athlète par excellence de l'année avec Pierre Stapilicien, ça, c'est vraiment une injustice. Et on tiendra également que sur la notation de l'athlétisme aux Jeux olympiques, le Canada n'a remporté aucune médaille. Et pour apprendre un vieux slogan des défunts nordiques, le meilleur tir. Quand les parents vacances, pas de party. Les enfants prennent la relève. On va être là dans le nouveau duo chasseur magique de et dans nettoyage éclair pour duo dans l'air. Le côté bleu absorbant essuie les dégâts. Le côté blanc enlève les marques et les taches. Pas de précis. Nouveau à l'affiche, duo effaceur magique de Monsieur Net. De l'ordre dans votre garde-robe et mettez chaque nouvelle chose à sa place. C'est facile avec Home Depot. Vous profitez de bas prix garantis sur tout ce qu'il faut pour tout ranger. En ce moment, ne payez aucun intérêt avec 12 mois à l'achat de modules de rangement sur mesure de 450$ au plus porté à votre carte Home Depot. Profitez d'un savoir-faire en rangement bonne pour votre argent. Et pour encore plus de solutions de rangement, visitez homedepot.ca. Home Depot, votre volonté de faire... La marchandise chez Moores n'est en solde qu'une fois dans la saison, mais ça vaut le déplacement. Présentement, plus de la moitié de nos complets de sport sont en solde à des prix incroyablement bas. Vous trouverez un vaste choix de chemises habillées et des centaines de pantalons tout allés. En plus d'énormes rabais sur les vêtements sport, les vêtements d'extérieur et les chaussures. Ce qui veut dire que la seule façon de battre, c'est avec un solde de fin d'année chez Moores. Moores. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. La revue de l'année Sport 30, une présentation de Bro et Martineau, une entreprise de chez nous, pour vous. L'émission tire déjà sa fin, Alain. Il y a plusieurs sujets qu'on n'a pas eu d'aborder. J'aimerais qu'on le fasse très rapidement avant de se quitter. Tout d'abord, le retour d'Éric Lucas. Bien oui, tout le monde pensait qu'Éric était pour prendre sa retraite. Sa défaite contre Danny Green, mais non, il est revenu en force contre Menefee. Et je lui souhaite bonne chance pour 2005. Il y en a un autre qui effectue un retour. Ça a été rapide.
Fan Ouellet. Pathétique, désastreux, tout simplement. Le football universitaire québécois en 2000. Bravo à Jacques Dussault-Carabin. Donc une fiche immaculée, battue par contre en grande finale de la conférence québécoise par les vainqueurs de la Santiago, le Rouge et Or de l'Université Laval. Un niveau supérieur un peu chez les professionnels de la NFL, les Patriots qui gagnent le Super Bowl. Quelle équipe écoute. Rien de bien flamboyant, mais tout est fait de façon magistrale et bien dirigé par Bill Belichick. C'est ça. Les golfeurs québécois, et ça vaut la peine qu'on en parle, ils ont bien fait en 2004. Oui, Daniel Talbot a raté le circuit des champions. Un seul coup. Écoute, il devait être dévasté, doit l'être encore. Ouais. En ce qui concerne Carl Desjardins, bien que les golfeurs québécois qui tentent leur chance sur la PGA, le circuit de la PGA, on appelle ça le jeu. Mais en langage de golf, on dit améliorer grâce la short game. Vijay Singh. Vijay Singh, le premier porté 10 millions d'une saison, celui qui a détrôné Tiger Woods. Mais dans le cas de Vijay Singh, c'est lui qui a remporté Canada. En fait, il a quoi? Mike Weir, mais je devrais dire plutôt que c'est Mike Weir qui lui a présenté la victoire. Et ça, c'est dommage. Les Knights de London, maintenant. Et un match de suite sans défaite. Il y a quelques jours, donc le 17 décembre, je pense, contre les Wolves de Sudbury. Il faut dire, par contre, qu'il y a trois joueurs qui participent. Deux à l'équipe canadienne junior et un autre à l'équipe américaine. Et Roger Clement? Bien, écoute, on dit qu'à 40 ans, les athlètes sont finis. Je pense pas. Roger Clemens, dépassé la quarantaine, travaillant pas mal pour un gars qui était censé être à la retraite. Et un petit mot terminant sur RIS, le lancement de notre station sœur, le réseau d'information. Après du travail bien fait. Alain, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à toi. Oui. Écoute, bonne année à tous, mais surtout de la santé. Santé. On est extrêmement riche. Et en terminant, j'aimerais également remercier le producteur réalisateur de cette émission, Maxime Ménard, qui a fait un travail amical. Joyeux temps des fêtes et au plaisir de se reparler en 2005.